Seigneur, à tes pieds me voici, tremblant, humilié. Je suis rongé de noirs soucis. De bien vouloir éteindre vos portables ou les mettre sous silence pour ne pas déranger le cours de la célébration. Prière de bien vouloir vous mettre debout pour accueillir les célébrants en chantant. Je
Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Monseigneur l'archevêque Max Leroy Mésidor avait désiré ardemment se joindre de façon physique à la famille et à cette belle assemblée que nous constituons pour la célébration de cette Eucharistie à la mémoire de notre frère Mika. Mais un souci de dernière seconde l'en a empêché. Aussi a-t-il choisi de s'adresser à la famille et à vous tous, sœurs et frères, à travers ce texte dont je vais maintenant vous donner lecture. Chers frères et sœurs, comme un coup de foudre dans un ciel serein, la mort de Michael Benjamin, Mika, nous a surpris et même assommés. C'est un choc intense et brutal pour sa famille que nous saluons et dont nous admirons la foi, le courage et l'amour du pays. Un choc intense et brutal pour nous tous, haïtiens, haïtiennes, qui déplorons le départ d'un jeune qui avait pris son envol dans la musique et qui portait passionnément la nation dans son cœur. Un choc semblable à celui de l'assassinat d'Éric Jean-Baptiste, homme d'affaires et chef de parti politique. Notre présence dans cette église est la réponse à une dernière invitation de notre artiste qui nous dit, par sa présence muette, merci d'être venu à ce rendez-vous. Profitez-en pour méditer sur le sens de votre vie. Au terme de cette célébration eucharistique, nous dirons adieu à notre ami Mika, c'est-à-dire... Tu es désormais adieu
entièrement à Dieu. Le Seigneur l'avait confié à ses parents pour qu'il l'élève, pour qu'il l'éduque à l'amour, au respect des autres, à la citoyenneté, à l'honnêteté et à la foi. Compliments, chers Lionel et Roselyne. Merci d'avoir fait de votre mieux pour accomplir votre mission de parent, d'éclaireur. Le Seigneur avait confié Mika à tous ceux qui ont veillé sur lui pour qu'il s'éveille à la vie, à la justice et à la paix. Chaque fois qu'il a fait grandir la vie, il s'est élevé jusqu'à Dieu. Le Seigneur l'avait confié à son épouse pour qu'ensemble ils fassent alliance, pour qu'ils fondent une famille qui soit, selon le cœur du Créateur, comme une petite église. Compliments et merci, Madame Vanessa, d'avoir compris qu'il n'y a pas d'amour véritable sans renoncement à soi-même, sans sacrifice, sans départ, sans déchirure. Que le Seigneur te donne la grâce de veiller sur Gabriel, sur Léa et sur le bébé que tu portes. Veiller, c'est-à-dire demeurer auprès d'eux le cœur battant et l'intelligence ouverte. Frères et sœurs, le Seigneur avait confié à Mika l'environnement pour qu'il l'entretienne, le développe, l'embellisse, l'aménage. Chaque fois qu'il a travaillé de ses mains et de son intelligence, il a associé son œuvre à Dieu. Le Seigneur lui avait confié des frères et sœurs, des compatriotes, pour qu'en se sentant solidaires d'eux, il contribue à l'édification d'une société juste et fraternelle, d'un pays où les droits de la personne sont reconnus et respectés. Chaque fois que Mika a promu la justice, l'amour, le progrès, il a réalisé la parole du Christ. Heureux les artisans de paix, le royaume des cieux est à eux. Chaque fois qu'il a tendu une main secourable à quelqu'un, c'est la main de Dieu qu'il saisissait. Pour tout ce qu'il a réalisé dans sa vie, nous lui disons de tout cœur félicitations et merci. Frères et sœurs, Mika retourne à Dieu, à son Père qui connaît tout de lui, ses réussites et ses échecs, son amour et ses révoltes, les souffrances et les joies qu'il a traversées et son désir de toujours dépasser les limites de sa faiblesse. Daigne le Père miséricordieux le faire asseoir à la table du banquet éternel avec tous les saints, avec tous les artistes engagés, avec Éric Jean-Baptiste, avec toutes les victimes de la machine infernale de l'insécurité. Quant à nous qui sommes affectés par l'absence physique de Mika, que le Seigneur nous relève de notre tristesse et nous maintiennent dans la foi en la résurrection. Monseigneur Max Laura Mésidor, archevêque métropolitain de Port-au-Prince. Si nous sommes réunis, c'est pour entourer de notre affection, sympathie et amitié ceux qui sont dans la peine. C'est pour affirmer ensemble que tous ces liens d'amitié et d'affection que nous tissons tout au long de notre vie ne s'arrêtent pas avec la mort. C'est pour nous recueillir, pour prier, pour écouter la parole de Dieu, pour célébrer l'Eucharistie. Enfin, c'est pour nous rappeler que Dieu se souvient de tout ce qu'il y a eu de vrai, de beau, de grand dans la vie de Michael Benjamin et lui demander de l'accueillir. Sœurs et frères,
Préparons nos cœurs à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu d'amour, source de tout amour, l'affection que tu as mise en nos cœurs pour ton serviteur Michael Benjamin nous invite à te prier avec confiance. Tu veux pardonner à tout homme pécheur et tu fais vivre ce que tu sanctifies. Accorde à notre ami le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-le totalement de ce qui le retient loin de toi et donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment. Mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour. Quand il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Faisons-lui confiance et amour.
chante ses grandeurs. Son feu vient de brûler mon cœur. Je m'en remets. Je m'en remets à mon Seigneur. Dieu seul suffit. Que rien ne te trouble mon âme. Que rien ne t'effraie car tout passe. Dieu ne change pas. Dieu seul suffit. De tout la patience triomphe. En Dieu nous ne manquons de rien. Dieu seul suffit. Avec mon Dieu, avec mon tout. Frères et sœurs, mettons-nous debout pour acclamer la parole de Dieu en chantant. Pour tous les jours, pour toutes les fois où je n'ai su penser qu'à moi, pour avoir bien trop souvent manqué de vous. Seigneur, j'ouvre les yeux sur ton amour et oui, je veux m'incliner et t'adorer. Alléluia. 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 Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 11, les versets 25 à 28. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été donné par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. Acclamation.
acclamons la parole de Dieu. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Prends pitié, Dieu très bon, de celui qui vient de mourir. C'est pour lui que nous t'offrons le sacrifice qui donne la paix. Si le péché a pu l'atteindre, si la faiblesse humaine l'a marqué, que ton amour lui pardonne, que ton amour le purifie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car
ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étend au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Max Leroy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute nos prières pour la famille Benjamin. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi, Seigneur, de Michael Benjamin, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toutes larmes de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
frère Maxime, yo, la prière, c'est force nous. Toujours songer pour nous la prière. Et m'a dit nous, nous-mêmes qui vivons un moment qui est tellement difficile dans le pays d'Haïti, toute occasion qui peut nous conduire à Dieu est une bonne occasion. Toute occasion qui peut nous conduire à la conversion est toujours une bonne occasion. Et Dieu, il est toujours ce Père qui est là pour nous accueillir. Et c'est pour cela que nous allons tourner nos regards vers lui dans la belle prière que Jésus, notre grand frère, nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, la sécurité à notre pays. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici Jésus, vainqueur du péché et de la mort. C'est lui l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Veuillez vous asseoir. Ni la peur, ni le poids des années.
Cherchez avec toi, Marie, les pas de Dieu. Merci du don précieux que tu nous as fait de ton Fils, Jésus. Merci d'être toujours à nos côtés pour nous aider à prier et à garder la foi. Merci d'être là dans nos vies. Merci d'avoir cru. Sur nos pas.
Seigneur. Toi qui es plus fort que la mort, Seigneur, nous te supplions pour Michael Benjamin qui vient de quitter cette vie. Permets que, purifié par cette Eucharistie et dégagé de ses fautes, il connaisse les joies de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Une fois de plus et non une fois de trop. Quand on considère qualité moun mikateyea, eh bien nous prenons le temps de quelques témoignages sur la ville. Anchita. Sœurs et frères, Mika, c'est une étoile qui, loin de s'éteindre, s'est approchée si près de la lumière infinie de Dieu qu'il nous est désormais impossible de la contempler sans entrer nous-mêmes dans cette lumière infinie. Nous savons que Dieu, dans sa miséricorde infinie, daignera l'accueillir auprès de lui. Il daignera accueillir notre cher Mika. Et nous savons aussi que sa voix le rendra à jamais présent au milieu de nous. Les œuvres et le parcours de Mika Ben de Yon 24 décembre à toute gloire, c'est pour vous. De la scène de Télémax à celle de l'Accor Arena à Bercy, Mika s'est montré conscient de sa mission durant sa vie terrestre. C'est une légende que nous avons vue grandir et gravir les escaliers. Il s'est imposé sur la scène. Il a arboré le bicolore, signe tangible de son amour pour ce pays. Il a fait chanter son public lors de sa dernière prestation, Baby I Miss You, puis au Patsy qui témoin, comme s'il nous regardait déjà depuis l'autre rive. Chers amis, sœurs et frères, pensons donc à ce géant, à cette légende, à ce frère, cet ami, ce généreux homme. En cet instant, pensons à ce qu'il est, ce qu'il demeure pour nous. Disons-lui adieu, lui qui désormais n'appartient qu'à la lumière. Si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coules
sœurs et frères, les cendres symbolisent en outre que la pénitence et la mortification, la fertilité. Elles symbolisent en ce sens la fructification du monde. Nous allons donc, en bénissant cette urne qui contient les cendres de Mika, penser à cette lumière qui s'épanouit depuis que son corps s'est effondré. Cette lumière qui désormais n'éclaire plus que ses proches, ceux qui l'ont connu, ceux qui écoutaient ses chansons, mais le monde. Voilà pourquoi nous le laissons partir, le cœur serein, l'âme légère, parce que nous le savons au milieu de nous, car la lumière qui luit depuis la source divine ne peut pas s'éteindre. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, fortifie notre foi et notre espérance, tandis que nous te confions notre frère Mika, nous le recommandons à ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de ton mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. En guise de dernier mot, je vous annonce que la fanfare de la police nationale à la porte de sortie va rendre à Mika un hommage bien mérité avec l'un de ses meilleurs titres, Haïti C. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Thank you.
Thank you.